Alors, aujourd'hui, nous vous présentons la côte de bœuf avec des légumes de la ferme de Steix et des pommes de terre confites au four. C'est un vrai régal. Je pense que ça va être bon, Paul. Alors, une viande choisie avec soin par Monsieur Leblanc. Ici, en l'occurrence, une côte à l'os de Galice. Je pense que oui, vous allez vous régaler. Alors, aujourd'hui, nous vous présentons une magnifique côte de bœuf de Galice de plus ou moins 500 grammes, du poivre noir, une courgette jaune, une branche de céleri, du thym, du laurier, des tomates cerises, une gousse d'ail, des échalotes, deux pommes de terre Annabelle, une botte de jeunes carottes, de l'huile d'olive, du beurre et du sel. La viande, je la laisse à température ambiante pendant 15 minutes. Et tiens, pourquoi laisses-tu la viande à température ambiante? Ça vous permet d'avoir une viande avec un muscle plus tendre au moment de la cuisson et d'avoir un choc de température moins important. Coupez vos légumes, les mettre avec les aromates et un trait d'huile d'olive dans un plat allant au four. Pour la réalisation des légumes, nous mettons un morceau d'aluminium sur la plaque pour la glisser au four. Pourquoi mets-tu une feuille d'aluminium, Paul? Nous mettons une feuille d'aluminium pour garder une certaine humidité aux légumes et éviter une trop forte coloration. Enfournez vos légumes pendant 35 minutes à 135 degrés. Assaisonnez la viande sur chaque face avec de la fleur de sel. Déposez la viande dans une poêle avec de l'huile d'olive et un morceau de beurre. Laissez cuire la viande 5 à 6 minutes de chaque côté. Et maintenant, comment vas-tu dresser ton plat? Nous allons commencer à dresser les légumes. Nous allons passer à la découpe de la viande. Prenez un couteau bien aiguisé. Une bonne cuisson pour une viande est une cuisson entre le bleu et le saignant, c'est-à-dire un bleu, mais bien chaud. Et voici le plat dressé. Bonne dégustation. Merci Paul Binet, chef au garde-manger à Hambourg. Découvrez d'autres recettes sur omiam.tv.